De retour sur le plateau de Perpignan, on va maintenant entamer la séquence des pitchs avec Géosotech. Voici maintenant un bel exemple de valorisation de la recherche scientifique avec Manon Jouyot et Julie Ezagori-Lara. Donc vous êtes deux diplômés de l'UPVD et vous avez été incubés à l'UPVD et Incube. Et vous avez donc fondé Géosotech. Expliquez-nous ce que c'est, Manon. Alors, Géosotech, donc, c'est une jeune entreprise engagée dans la protection de l'environnement. On est accompagné par l'incubateur de l'Université de Perpignan, mais aussi par la SATA XLR et par Perpignan Méditerranée Métropole. Donc, notre objectif, c'est de valoriser la recherche scientifique sous deux volets. Donc, la première activité est d'offrir des services, des produits et des services aux professionnels du suivi de la faune. Donc, ils sont les laboratoires de recherche, les associations environnementales, les bureaux d'études ou encore les parcs et les réserves naturelles. Donc, pour ça, nous concevons et commercialisons des technologies innovantes issues de laboratoires spécialisés, produites en France et exclusivement dédiées au suivi de la faune. Donc ces technologies-là seront réunies en un catalogue de technologies pour le suivi de la faune. Elles répondront toutes aux mêmes attentes, donc elles seront fiables, performantes, accessibles en termes de prix et surtout adaptables à chaque utilisateur. Donc ça, c'est notre première activité. Notre seconde activité, c'est de la médiation scientifique. Donc on souhaite communiquer auprès du grand public et surtout, notamment auprès des scolaires, sur des grands thèmes de l'environnement tels que la pêche durable, en faisant des jeux ou des activités ludiques. Donc d'une part, on valorise la recherche en améliorant les connaissances sur des espèces menacées ou des espèces cibles, des espèces emblémiques de la région ou de notre planète. Et d'un autre côté, on valorise la recherche en communiquant et du coup en rendant ces informations accessibles au grand public et aux scolaires. Donc pour ce faire, on est une équipe de trois, donc Julie qui est notre présidente, qui est diplômée donc en écologie et qui est aujourd'hui en charge de la gestion de notre entreprise. Moi-même, donc qui suis la directrice générale, je suis aussi diplômée en écologie et pour l'instant j'ai la partie scientifique du projet à ma charge. Et il y a Paul, donc Paul est notre ingénieur qui lui donc nous apporte son savoir-faire et ses connaissances technologiques. Nous souhaitons à terme donc agrandir notre entreprise en créant du coup de l'emploi sur le territoire et en internalisant la partie recherche et développement des technologies en partenariat avec des laboratoires et donc en employant des ingénieurs. Actuellement, on termine les développements de notre première technologie, donc qui sera mise sur le marché prochainement, dès que les développements seront terminés. Et on a déjà initié les développements de notre seconde technologie qui viendra alimenter ce catalogue de technologies innovantes pour le suivi de la faune, exclusivement dédiée du coup à, je l'ai déjà dit, au suivi de la faune et produite en France. Et vous avez déjà des clients ? Oui, effectivement, on a déjà des clients. On a eu des demandes déjà pas mal du côté de l'Australie, du Canada. Et puis, dans le cadre du développement de cette technologie, on a aussi sélectionné tout un panel d'utilisateurs qui seront aussi des futurs acheteurs, qui sont de tout horizon scientifique, qui représentent l'intégralité de notre clientèle, qui sont des laboratoires de recherche, des bureaux d'études, des associations ou des parcs en France et en Europe. Donc on sera en partenariat avec des institutions en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. Concrètement, comment vous participez aux avancées de la recherche scientifique? Avec quelle technologie? Vous parlez de technologie, oui, mais c'est quoi concrètement? Donc concrètement, ça va être, dans le cadre de notre premier projet par exemple, c'est un micro-enregistreur autonome. Ça veut dire que c'est un micro qu'on va positionner dans la nature et qui va enregistrer les sons émis par la nature sur de très longues périodes. Donc ça peut être, par exemple, enregistré pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant une période de 10 jours et qui permettra d'avoir une information sur les animaux qui sont présents, s'ils sont présents ou actifs, à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine, est-ce que c'est selon les saisons. Et tout ça, ça peut aider effectivement à la conservation des espèces. Donc tout D'accord. Ça, c'est des études de bioacoustique, en fait. Il y a des endroits stratégiques où placer ces micros-là? Bien sûr, il y a des endroits stratégiques. Par exemple, si ce sont les bureaux d'études, par exemple, qui vont faire des études d'impact avant une construction. Donc ça va être ces suivis environnementaux-là. Ça va être pour les assurances environnementales, pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place des mesures de conservation toujours plus efficaces. C'est ce que vous cherchez à comprendre? C'est des technologies qu'on fournit aux utilisateurs pour qu'eux puissent mieux comprendre ça. Comment vous est venue l'idée de créer Géosotech ? Alors l'idée nous est venue pendant le master. Donc Julie et moi, on a fait le même master à l'Université de Perpignan et on avait donc un cours qui s'appelait Valorisation de la recherche. L'objectif était de concevoir, du moins de faire une entreprise sur la base d'une innovation scientifique.
Et donc, toutes les deux, avec Julien, on a travaillé ensemble et on a pensé à faire une technologie pour la faune marine, cette fois, suivie de la faune marine, et qui est justement cette deuxième technologie dont je parlais tout à l'heure, dont, pour laquelle nous avons développé, commencé les premiers développements. Ce sont des petites balises. C'est venu de là, ouais. C'est une balise de suivi de la faune marine. Et voilà. Ça n'existe pas déjà ? Il y en a déjà, bien sûr, ouais. Donc, c'est différente, on va dire. C'est une... Nous, on veut essayer de faire quelque chose de vraiment très, très simple et très performant. On essaye de concilier du coup bas prix pour les utilisateurs, pour les laboratoires de recherche, pour les bureaux d'études. C'est important d'avoir des technologies peu chères, mais efficaces. Comment elle s'utilise, cette balise ? Il faut la poser. C'est comme ces technologies qu'on connaît déjà sur les animaux. Sur les animaux directement. Soit des mammifères marins, des tortues. Donc on peut les suivre à la trace. C'est ça. Le but est là, ouais. Pour la deuxième technologie. Ouais. Et c'est fabriqué où ? Alors on essaye de valoriser le savoir-faire qu'on a sur le territoire. Pour cette première technologie qu'on va mettre sur le marché, c'est du 100% Occitanie, vu qu'on a une grande partie, tout ce qui est technologie et production, c'est à Montpellier. Et puis nous, donc Géosotech, qui commercialisera cette technologie-là, on est ici à Perpignan. Du coup, comment ça se passe quand vous exportez comment les gens font appel à vous? Comment ils savent que vous existez? Parce que vous exportiez en Australie, jusqu'en Australie, c'est ça? Le réseau. Dans notre secteur, c'est beaucoup le réseau, vu que finalement, on est dans le secteur de la recherche. Donc ça va être en participant à des salons, avec notre réseau qu'on s'est créé depuis ces dernières années aussi. C'est-à-dire, vous avez participé à quel type de salon ? Tous les salons qui sont sur le territoire, en France, on est aussi allé jusqu'en Angleterre, sont des salons scientifiques, des congrès scientifiques, des salons sur l'environnement, sur les technologies. Donc c'est vraiment là-dedans qu'on va réussir à trouver de nouvelles collaborations. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Aujourd'hui, il nous manque un peu de financement, le nerf de la guerre. Et une belle équipe d'ingénieurs qui nous permettrait justement d'être indépendants de ce côté-là. Vous avez été incubé à l'Université de Perpignan, à l'UPVD Incube. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je dirais tout. On est sortis, Julie et moi, formés en écologie, donc avec un master en écologie marine. Donc en entreprise, on n'y connaissait absolument rien. Donc ça nous a permis de passer d'écologue, on va dire, à chef d'entreprise, en fait. On a fait toutes les formations. Donc Julie prend plutôt cette partie-là de gestion de l'entreprise, mais tout ce qui va être des formations commerciales, comment faire un business plan, comment faire un prévisionnel financier, comment faire tout ce genre de choses auxquelles on était vraiment étrangères il y a 3 ans, à peu près. Donc on a appris sur tout ça, tout en gardant du coup notre spécialisation dans l'écologie et dans le suivi de la faune. Vous allez maintenant ouvrir des bureaux, c'est ça? Parce que vous allez terminer votre incubation à l'université, vous allez trouver un endroit où vous installer? Récemment, on a été lauréat du concours French Tech Tremplin. Donc on bénéficie, donc là on va sortir d'incubation de l'incubateur de l'Université de Perpignan. Et là, donc, on va rentrer dans la pépinière d'entreprise, plein sud d'entreprise. Donc, on va bénéficier d'une année supplémentaire, justement, pour nous aider à consolider notre entrée sur le marché. Jusqu'à présent, l'accompagnement était à la hauteur de vos attentes ? Oui, bien sûr. Quand on part du principe où, au niveau de l'entreprise, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a aucune notion. Nous, on était avec nos petites éprouvettes et nos jumelles dans la forêt, quoi. Il y avait l'idée. Il y avait l'idée et il fallait la développer et acquérir toutes les compétences justement pour monter un projet viable. Merci beaucoup à vous deux, Julie, Manon, d'être venus sur ce plateau.